Salut, salut et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors, il est midi. Il est très tard. DJ est passé ce matin, donc j'ai fait beaucoup de choses ce matin. J'ai nettoyé, j'ai rangé, je me suis occupée des Titi et compagnie. Donc, j'ai fait sortir les chichous, ils viennent de rentrer. Hein. Je les ai fait sortir à 7h et jusqu'à 11h30, midi moins le quart. Donc ils sont bien dépensés, là ils vont dormir un bon moment. Voilà, voilà. Donc, je vais vous raconter mon petit week-end. Je prends mes petites notes. Oui, parce que je note ce que je fais sur le week-end, sinon j'oublie. Donc, vendredi, j'ai filmé ma première vidéo de résine. Je vous spoil pas trop, mais il y en a un petit peu derrière. Voilà, voilà. Coup de cœur sur la résine. Voilà, vous aurez la vidéo demain, de toute façon. Donc, je peux déjà vous le dire. Et voilà, samedi, du coup, j'ai continué la résine. J'ai fait des petites babioles, tout simplement. Et j'ai filmé la trappe-rêve que vous aurez mercredi. Je vais déjà vous donner le planning. On se retrouve toute la semaine, de toute façon, encore. Hein. On a été aux courses. On est passé chez Action pour voir s'ils avaient rentré du plâtre. Et il n'y en a toujours pas. Donc, je laisse tomber le plâtre. Je vais faire mes dragons en résine. Je vais recommander de la résine. Il va avoir 5 litres... de résine, donc j'aurai de quoi faire. Et on en a eu, alors chose incroyable, improbable, on en a eu en tout chez Action pour 4,50€. Voilà, j'ai racheté de la glu et je ne sais plus quoi. Après j'ai joué et j'ai refait mes ongles, donc je n'ai rien fait d'exceptionnel. J'ai mis Madame Gamme, comme d'hab, j'ai mis le Spring Fever. Il veut pas. Voilà, qui est un turquoise. Et par-dessus, j'ai mis le Super Cat Size, dont je suis totalement accro. J'adore ce Cat Size, il est canon. Donc voilà, j'ai juste fait ça. Et j'ai déjà refait sauter un bout à mon pouce en démoulant la résine. Ce que j'ai fait dimanche. On a été chez mes beaux-parents aussi dimanche après-midi, puisque comme samedi on fait le barbecue pour l'anniversaire de chéri. Il voulait inviter ses parents, donc on est passé chez ses parents. J'ai démoulé ma résine et j'ai filmé la fin et je me suis occupée de la cage des titis et des blattes. Hein. J'ai nettoyé les blattes. C'est un enfer hein, nettoyer les blattes. Mais là, il était temps que je le fasse. Donc, j'ai fait ça. Et après, j'ai joué. Voilà, j'ai joué la soirée. J'ai du montage en retard. Et pas qu'un peu. Parce que là, j'ai quand même 1, 2, 3, 4, 5 vidéos à monter. Et ouais, je suis en retard. Bon, après, comme je n'ai pas tout filmé d'un coup, j'attends d'avoir tous les rushs pour pouvoir filmer. Il n'y a que les vlogs que je tourne, donc que je monte au fur et à mesure. Sinon, en fait, j'attends d'avoir toute la vidéo complète en rush pour faire le montage. Quoi. Voilà, voilà. Donc aujourd'hui, on attend, parce que j'ai dû recommander de la pâte thermique pour la PlayStation de Sam, puisqu'elle surchauffe. Donc chérie va faire ça quand on reviendra du kiné. Je vais la recevoir aujourd'hui. Demain, je reçois la résine que j'ai commandée sur Amazon et j'ai commandé sur Résine Pro, parce que c'est beaucoup moins cher. Voilà, et là j'ai pris par 4 kg, plus le kilo que je vais avoir, enfin le litre que je vais avoir d'Amazon demain. Ouais, accro à la résine, hein. Ça donne envie d'acheter plein de monde pour faire plein de choses différentes, mais là je vais déjà faire avec ce que j'ai, et essayer d'en vendre un peu sur Vinted, ça serait pas mal, pour pouvoir acheter des moules, quoi, tout simplement, vous voyez. Ouais. Ce matin, donc, DJ, elle est venue, elle me dit oh, « ça fait longtemps que j'ai pas vu les titis, donc du coup, ah, tu dors pas, toi ?» Du coup, j'ai ouvert la cage pour lui montrer les titis. Suzy lui a fait pipi dessus, voilà, elle a été baptisée par Suzy, sauf qu'après, fugue générale. Oh, et DJ, elle rigolait parce que j'avais pas... Chaque fois que j'en rentrais un, il y en avait un autre qui sortait, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Donc, pour finir, je les ai amadoués en leur donnant une blatte. Et maintenant, ils sont dans la cage.
Mais ils couraient partout, les deux petits ne voulaient rien écouter, ils ne voulaient pas rentrer. Je secouais mes mains et ils restaient accrochés. Donc voilà. Bref, alors je ne promets pas que ce vlog va être aussi long que le précédent. Hein. Je sais que vous étiez content d'avoir un vlog d'une heure et demie. Mais ça dépend de ma semaine en fait. Et cette semaine, j'ai pas grand-chose de prévu. Mais bon, la semaine dernière, j'avais rien de prévu non plus. Hein, donc voilà. On verra bien. Là, je sais pas si j'attends le colis ou si j'ai la somme de surveiller. À mon avis, il va juste le mettre dans la boîte aux lettres, mais je suis pas sûre. Donc je pense que je vais attendre le colis par sécurité. Qu'on puisse refaire sa PlayStation ce soir. Enfin, que Chéri puisse faire ça. Moi, je vais pas démonter la PlayStation, hors de question. Mais que lui puisse le faire ce soir. Je vais jouer un peu et tantôt je vais essayer de faire quand même mes montages parce que il y a quand même la vidéo de vendredi et de samedi que j'ai toujours pas montée. Et normalement je devrais recevoir deux des trois commandes Temu probablement demain, je pense, puisqu'ils sont ils ont passé la douane ce week-end. Donc je pense que probablement demain. Je reçois la résine aussi demain de Amazon. Et Resin Pro, ça devrait être demain ou après-demain, puisque c'est en 24 ou 72 heures. Sauf qu'ils n'ont pas encore envoyé la commande, puisque je l'ai fait le dimanche. Mais j'avais un bon de 10%. Donc, les 4 kilos, c'est 59,90 € moins 5,99 € pour les 10%. La livraison en Belgique est à 10,59 €. Ça m'est revenu à 64,50 € pour les 4 kilos. Donc, 2 fois 2 litres, hein, en gros. Ça revient vachement moins cher que sur Amazon. Que sur Amazon, j'ai payé 30 € le litre. Enfin, 2 fois 500 ml. Donc ça revient vachement moins cher quand même. Hein. Parce que là, pour le double du prix, j'ai 4 fois plus. Donc voilà, j'ai hâte de recevoir tout ça. Il faut que je refasse un renard, un kitsune pour les garçons. Mais comme j'ai qu'un moule, il faut que je le fasse en 2 fois. Et celui-là, je l'ai séché au moins 48 heures parce que c'est assez épais. Et voilà, vous allez voir que ça va vraiment être une nouvelle addiction. Vous allez voir ça demain dans la vidéo, demain pour vous. Bref. Ce matin, j'ai pris mon rendez-vous chez le médecin traitant aussi. Oui, il faut prévoir l'avance avec elle. Hein. Pour le mois d'août, comme ça c'est fait. Puisque je dois aller refaire mes ordonnances et faire mon vaccin que j'ai dans le frigo. Donc, oui, parce qu'elle m'a prescrit un vaccin contre le tétanos. Parce que maintenant, il fait tétanos et d'autres trucs. Et elle m'a dit, vu que je suis malade, elle dit, avec vos défenses immunitaires qui sont amoindries et tout ça, c'est bien de le faire. Donc, moi, j'écoute mon médecin. J'ai un très bon médecin, donc je l'écoute sans aucun souci. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, on peut switcher de jour. Alors, il est 10h20, le facteur est passé il y a une vingtaine de minutes là. Je suis en train de préparer ma Fimo pour filmer tout à l'heure. J'étais en train de la ramollir. Donc pour la ramollir, on m'a demandé, j'utilise, voilà, c'est un spray, j'ai mis de l'eau déminéralisée dedans. En fait, je l'effrite parce que la Fimo, de la marque Fimo, s'effrite énormément comparé à la Cernite. Je l'effrite au max, enfin, comment ce qu'elle se met, je la malaxe un peu, je la mouille. Avec quelques sprays, je malaxe, je remouille au fur et à mesure. Après, j'utilise avec le rouleau pour bien enlever les petits bouts. Et puis, je la passe un coup dans la pasta machine. Maintenant que j'ai la pasta machine, enfin, un ou deux coups, le temps qu'elle soit bien lisse. Et c'est comme ça que je la ramollis. Et quand c'est vraiment des pains, des vieux pains, ce que je fais, je prends une bougie et je la passe un peu au-dessus de la flamme de la bougie, en fait, pour la ramollir en la chauffant un peu, sans la cuire. Et je refais le même processus. Donc voilà, ça prend énormément de temps, hein, surtout quand on a un peu mal les mains, ou beaucoup mal les mains. C'est pour ça que je la prépare souvent à l'avance, avant de filmer, comme ça, quand je filme, j'ai plus qu'à travailler la filmo et pas la ramollir, et du coup, ça me permet d'avoir moins mal les mains. Donc voilà, j'ai reçu par le facteur mon regroupement de trucs Amazon, AliExpress que j'avais commandé. J'ai ma crotte au cul. Donc j'avais pris des petits anneaux. J'avais repris des pitons comme ça, des attaches pour les pendentifs et des attaches de porte-clés où il y a également des anneaux et des pitons à l'intérieur. Voilà, donc j'ai reçu ça, je vais pouvoir les ranger avec les autres. Et là, je viens de recevoir ma résine de Amazon. Je vais l'ouvrir avec vous.
Voilà, tout simplement, parce que sinon j'ai rien d'autre à vous dire sur la journée. Ce matin, j'ai fait deux montages et deux uploads, dont le haul TMU que vous avez eu, vous, samedi. Alors attendez, je reprends mon planning. Ouais, celui que vous avez eu hier. C'est vraiment le plus long à filmer, à monter, parce qu'il faut mettre tous les prix et après à faire la barre d'infos parce que il faut mettre tous les miens. Donc voilà pour la résine. Ah, il y a des petits pichets, ça c'est cool, j'avais pas vu. Des petits pichets en silicone, ils font combien ceux-là? 100 ml en plus. Ah, bah, j'en voulais m'en commander, bah, du coup j'ai pas besoin d'en commander, j'avais pas vu qu'il y en avait avec. Et voilà, donc j'ai pris en 2 fois 500 ml. C'est la M-Life, je ne sais pas trop comment ça se dit. Donc c'est aussi un ratio de 1-1, je ne prends que de la 1-1, c'est beaucoup plus facile à doser. Donc voilà, je testerai celle-là, mais je pense que demain je vais recevoir celle de résine pro. Dedans vous aviez encore des bâtons en bois et une spatule qui va absolument ne servir à rien par rapport à ça, j'en ai déjà 3-4, mais elle a le mérite d'être dedans. Et vous avez donc les explications ici. De toute façon, pour toutes, c'est la même chose. Hein. Faut bien mélanger pendant au moins 5 minutes. Voilà. Et après, vous avez 45-60 minutes de temps de travail. Ouais. Donc voilà, je vais pouvoir tester celle-là. Je suis bien contente d'avoir les petits pichets en silicone avec. J'avais pas vu qu'ils étaient fournis avec, j'ai pas fait attention. Mais ça revient vachement plus cher que d'acheter sur Résine Pro, comme je vous l'ai dit hier, puisque là c'était 30 euros, 29,90 euros le litre en fait, hein, au complet, plus les deux petits pichets, la spatule et les petites touillettes. Et sur Résine Pro, j'ai donc payé, c'est 60 euros les 4 litres, 4 kilos, ils marquent par kilo, ça fait à peu près 4 litres quand même. Même s'il y a 10 euros de frais de port, ça revient moins cher. Et en plus, j'avais un bon de 10%, donc ça m'est revenu 62 euros, je crois, en tout, avec les frais de port. Donc ça revient quand même vachement moins cher, parce que pour le double du prix, j'ai 4 fois plus. Donc je commanderai après que sur celle-là, sauf si je vois qu'elle est vraiment trop difficile à travailler. Mais si j'ai réussi à travailler celle d'Amazon, je vois pas ce que ça change par rapport à l'autre. Et j'ai encore celle de TMU à tester, mais là c'est vraiment deux petits flacons, donc je pourrais faire qu'une pièce, je pense, avec. Mais il faut que j'utilise avant d'entamer celle-ci pour et finir l'autre. Mais là je vais préparer la vidéo pour faire les cabochons avec vous. Mais ce que je vais faire, je vais préparer à l'avance et je vais mettre une fine couche déjà de résine dans chaque moule pour pas que les breloques et tout ça tombent dans le fond en fait du cabochon. Comme ça, je vais déjà mettre une fine couche et on pourra faire les incrustations et les colorations et tout ça ensemble. J'aimerais bien recevoir mes commandes TMU pour avoir mes colorants. Je pense que je vais les avoir aujourd'hui ou demain. Je pense que les deux premières vont arriver. Il ne me restera plus que la troisième qui va arriver, je pense, pas avant la semaine prochaine ou fin de cette semaine. Et la résine de chez Résine Pro, je pense que je l'aurai demain. Puisque c'est 24h, il est parti lundi matin très tôt, donc voilà, ce sera mercredi ou jeudi, après ça urge pas, maintenant j'ai celle-là. Parce que la première commande TMU, c'est entre le 10 et le 17 de livraison estimée. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai toujours pas eu le mail pour dire que si j'étais pas livré après le 17, j'aurais un crédit de 5 euros. Ouais, il est toujours en dédouanement terminé, mais... vu que je suis livré par colis privé, en fait colis privé, ce qui est chiant, c'est que le suivi va s'actualiser que vers midi pour être livré dans l'après-midi. Et ça va juste marquer que c'est en cours de livraison ou arrivé au dépôt. Mais une fois que ça arrive au dépôt, je sais que je suis livré dans la journée. Mais il donne pas d'heure de livraison. Mais en principe, il vient vers 4 heures. Mais là, ça va pas bouger. Donc normalement, je dois recevoir une entre le 10 et le 17, une entre le 12 et le 19, et une entre le 13 et le 25. Donc je les aurais peut-être toutes quasi coup sur coup, quoi. Elle en est où, la dernière? En attente de vol. Donc c'est pas encore pour tout de suite. Suivant le temps que le haul fait par rapport aux deux autres commandes, peut-être que la dernière, je vous montrerai que en vlog, parce qu'il n'y a que 4 articles hein, dans la dernière.
Enfin 5 parce qu'il y en a un que j'ai pris deux fois. La deuxième, il n'y en a que 3. La première, il y en a que 14. Donc c'est pas. Je me suis un peu calmé quand même. Par rapport aux autres commentes où j'avais des 29, 22 articles. Voilà, voilà. Mais j'aimerais bien recevoir mes colorants, quoi. Et mes poudres caméléon aussi, mais là c'est par AliExpress et ça bouge pas. Mon petit moule Wapiti, là aussi, c'est un petit Bambi que j'aimerais bien faire. Donc je verrai bien. Je vais voir si le colis s'actualise après ma sieste. De toute façon, je sais que je ne serai pas livré avant fin d'après-midi. C'est vers 4-5h, voire 6h des fois. J'ai le temps, j'ai le temps. Là, je viens de voir qu'il y a une nouvelle vidéo qui est sortie ce matin sur Doc Hebdo. Donc, je vais regarder ça en finissant de ramollir ma fimo. Préparer ce qu'il me faut. Alors, je ne sais pas si vous aussi, vous êtes envahi de mouches comme ça, mais elles piquent. Elles sont extrêmement chiantes. Je vais commettre un meurtre de mouches. Un meurtre de masse. Et je peux pas mettre du pich pour les tuer puisque à cause des bestioles. Et je vous jure que là, elles me foutent à bout de nez. Je n'en peux plus de ces mouches. Alors je suis là avec ma tapette, mais dès que je prends la tapette, on n'en voit plus. Ou alors elles se mettent dans des endroits que je peux pas. Là, il y a encore une qui est en train de me piquer. Ça fait mal, enfin, ça fait mal. C'est vraiment très désagréable. Je chienne pas parce que j'ai pris la tapette. Voilà, bah écoutez, à part ça, aujourd'hui, j'ai rien de plus à vous dire. Je vais ranger mes petites attaches là, pour pas que ça traîne. Allez, descends. Bah descends. Mais qu'est-ce que tu fais? Non, fais gâté. Oh la faux cul. Qui est grosse faux cul? C'est une de ces faux culs, celle-ci. Ah, c'est une faux cul, fais des bisous. Oh, elle voulait des bisous. Oh. De mes mères bisous celle-là. Fait des tam-tam avec sa queue. Voilà, voilà. Bon, je pense que ce vlog sera beaucoup plus court que celui de la semaine dernière. Hein. Vous m'en voudrez pas. Chérie commence à ranger un peu la buanderie et la terrasse pour ce week-end. Puisqu'on fait le barbecue avec sa famille et mon frère. Donc là, il va y avoir du monde. Là je vais attendre un peu et puis je vais aller à la sieste, je vais finir ça, puis je vais aller à la sieste, manger et aller à la sieste. Faut pas que j'oublie de rappeler Enzo qui devait pendre son linge et me vider le lave-vaisselle. Et voilà. Oh, elle est fatiguée, Pépette. Elle a envie d'aller au dodo, la Pépette. Mais elle m'énerve, ces mouches. Mais chasse un peu les mouches, tu sers vraiment à rien. Hein. Alors, les titis, ils essayent de les attraper, mais ils n'y arrivent pas non plus. Vraiment, toutes mes bestioles ne servent à rien. Ça part à foutre le bordel. J'ai pas fait tout. Sortir les gijoux ce matin, ils ont pas demandé. Ils dorment. À mon avis, ils ont déjà trop chaud. Eux. Ils recommencent à faire super chaud, là, d'un coup. Là, on passe de 15 degrés à 32. Et hop, une en moins. Ah oui, il a peur de la tapette parce que c'est ce que je me sers pour quand elle écoute pas quand je vais sortir les chichous. Et hop, une en moins. C'est pas pour toi cette fois-ci, t'as rien fait. Oui. C'est pour tuer les mouches puisque tu les attrapes pas. Oh, mais c'est pas vrai. Et ça pique, ça m'énerve. Bref, à ce qui paraît, quand ça pique, ça veut dire qu'il va y avoir de l'orage. Il prévoit pas d'orage aujourd'hui, donc je ne sais pas. Puis elle me piquait déjà hier et il n'y a pas eu d'orage. Bref. Hier j'étais chez Akin, il m'a fait mal la nuque. Mais oh, c'est pas vrai hein. Si vous avez une astuce contre les mouches là, je prends, hein, je prends parce que je n'en peux plus. Il y a des collants partout dans la maison, il y a les patchs pour mettre sur les fenêtres. Ça c'est super efficace par contre, vous en avez plein votre appui de fenêtre après, mais c'est super efficace. J'ai l'appareil pour les mouches là et ça il n'y a rien qui fonctionne. Il y en a toujours autant. J'ai des moustiquaires de partout et je ne sais pas comment ce qu'elles font pour rentrer. J'ai une moustiquaire à la fenêtre de la cuisine, une à la porte de l'extérieur de la buanderie et une pour relier la buanderie à la cuisine. Trois moustiquaires et elles arrivent encore à passer. Après, les garçons ont les fenêtres grandes ouvertes sans rien. Alors, à mon avis, elles comptent par le haut. Bref.
Je vais pas me plaindre des mouches pendant 2 heures parce que ça ne changera absolument rien. N'est-ce pas? Donc, j'ai continué à faire ce que j'avais à faire. Et voilà. Donc, sur ce, on switch de jour. Alors, il est 9h36. Je viens de mettre de l'huile dans mes cheveux. Donc, hybride. Il est 9h36. Ouais. Passionnant ce vlog. Hein. J'attends 3 colis aujourd'hui. Oui. J'en attends 2 de Temu, donc il m'en manquera plus que 1. Mais comme il a toujours pas décollé. Attendez, je vais vérifier. Alors attendez, je vérifie. Celui de chez Resin Pro, il est bien en cours de livraison. Ça, c'est sûr et certain que je vais l'avoir aujourd'hui. Donc je vous montrerai demain parce que je ne sais pas du tout à quelle heure il va arriver. Et les 2 TMU, donc c'est par colis privé, c'est marqué qu'ils sont arrivés dans l'agence régionale. Donc ça, en principe, je les ai dans la journée. Mais le suivi s'actualise que très tard dans la journée. Donc voilà. Et l'autre, le dernier TMU, je crois qu'il est encore à l'aéroport là-bas. Donc je ne l'inclurai pas dans le hall, tant pis. Ça fera un peu moins, mais... Au pire, je mettrai les images et je vous montrerai ce que j'ai acheté. Et je vous montrerai en vlog une fois que je les aurai reçus parce que... en attente de vol. Depuis le 11 juillet. On est combien, là? On est le 12, donc depuis hier. normalement, ils disent entre le 13 et le 25. Mais j'ai prévu la vidéo pour le samedi qui vient pour vous. Voilà, le 22. Donc le temps de la montée, de la filmer et tout ça... Je l'aurai peut-être le 20, hein, mais j'ai pas envie d'attendre la dernière minute. Surtout que vous connaissez mon obsession pour ranger les produits que je reçois. Donc, je vais pas attendre pour filmer. Je vais le filmer demain, le haut. Parce qu'il passe tard, hein, colis privé chez moi. Donc, c'est vers 16h. Entre 16 et 17. Donc, des fois, j'ai même pas le temps de filmer avant que Chéri rentre du boulot. Et comme maintenant je filme en bas, c'est autant attendre qu'il soit pas là pour être au calme. Quoi. Il est aussi bruyant que les gosses, hein, moi mon monsieur. Donc voilà. Là je viens de calculer, on est à 15 ou 16 pour son anniversaire samedi. Enfin, c'est pas samedi, c'est mercredi qui vient pour vous. Mais on est à 16 samedi si Enzo est là. Il ne sait pas encore trop ce qu'il fait ce week-end, donc voilà, mais bon, on n'est pas une personne près. Hein. Le problème, ça va être les chaises. Les tables et les chaises, donc il faut que je vois avec mon frère. Je ne suis pas du tout fatiguée, hein, je vous jure. Regardez, c'est pas du tout des cernes. Hein, je suis en pleine forme. Je suis totalement reposée, n'est-ce pas? Ça se voit. Je savais pas que je faisais si peur que ça sans mes lunettes. Et les lunettes, ça camoufle pas mal les cernes. Hein. Donc voilà, moi je vais attendre mes petits colis vu que je peux pas faire de sieste, vu que Georges n'est pas là, c'est pas Enzo qui va surveiller mes colis. Hein. Donc, de toute façon, parce qu'il a traîné, je ne sais, Ninzo également. Mais Enzo est pas. Sam est parti chez sa copine pour la journée. Donc là, je vais pas pouvoir faire de sieste. Là je vais filmer quand même parce que hier du coup j'ai pas filmé. J'ai préparé la filmo hier matin, mais j'ai pas filmé parce que j'ai geeké toute la journée. J'ai fait 3 montages hier. J'ai fini mes montages en retard. Je les ai finis ce matin. Parce que j'en avais 3 en retard encore. Hein, donc il était temps que je m'y mette. Oh, ça fait du bien. C'est l'eau hydratante là de chez Colourpop. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc voilà pour ça. Alors là en ce moment, je fais ma routine, comme ça je vous montre un peu les produits que j'utilise en ce moment. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas montré. J'utilise celui-là. De chez Reveal pour les yeux, le contour des yeux. Est-ce qu'il me fait le focus? Ah ça y est, attendez. Voilà, c'est au collagène. Et en routine soin, j'utilise la Luminous là, que j'avais dans le swap de la part de Manon de chez Nivea, qui est anti-tâche. Donc ça c'est le sérum, ça c'est la crème, je pense que c'est pas un full size la crème. Oh, 40 ml, si quand même. Et 30 ml, c'est juste pas le même conditionnement. Bon, normalement les crèmes c'est 50 ml, mais
Ouais, c'est lumineuse anti-tache cellulaire. Est-ce que ça camoufle mes taches? Je ne crois pas. Mais bon, j'ai même pas fini peau, donc on va voir ce que ça donne. Mais voilà, j'utilise ça en ce moment comme petit produit. Je rotationne, enfin j'en ouvre un quand j'ai fini les autres. Je n'utilise pas plusieurs soins en même temps. Là, ça fait 2 jours que j'ai pas fait mes soins. J'avais dit que je ferais un masque hier soir et puis j'ai oublié. Ouais, on peut pas tout penser. J'étais en train de kicker sévère sur gros là. Je suis addict à ce jeu là. C'est un truc de fou. Franchement, pour le prix que j'ai payé, je suis bien contente parce que j'aime beaucoup. Il y en a aussi. Et Ever Dream Valley, je crois que c'est. Mais là, c'est plus un truc fermier. J'ai joué un petit peu, je me suis pas trop concentrée sur le jeu encore parce que j'ai les deux autres que je joue. Donc, et je sais que Kena, il y a une fin, il n'y a que 25 heures de jeu programmé, quoi. Après, vous pouvez toujours vous amuser à finir les trophées et tout ça. Mais l'histoire, vous pouvez la faire en 25 heures, quoi. Donc, c'est peu. Je trouve que c'est peu pour un jeu de cette envergure-là, c'est très peu. Mais au moins, bon, en même temps je l'ai eu en solde donc je m'en fous, mais au moins j'aime beaucoup ce jeu. Donc voilà, pour l'instant il n'y en a qu'un que j'ai pas aimé du tout sur les 7 que j'ai acheté là. Je sais plus lequel, hein, mais j'ai pas du tout aimé. J'ai même pas joué, je crois, rien que déjà le début, j'ai pas trop aimé. Enfin bref. Mais sinon, il y en a 3 que j'adore. Les 7 que j'ai acheté et 2 que j'ai pas encore testé. Donc vous voyez, il y en a qu'un pour l'instant que j'aime pas. Comme quoi, hein, des fois, pour moins de 50 balles, là, les 7 jeux. Après, même qu'il y en ait un que je joue pas, je m'en fous parce que c'est le prix d'un jeu, quoi. Par exemple, celui que je veux m'acheter en septembre, il est à 60 balles. Ouais, 59,99. Donc il est à 60 balles. Il sort le 8, mais celui-là, je fonce dès qu'il sort. Les Sims, les chevaux, là, je pense pas que je vais le prendre dans l'immédiat, parce que pour l'instant, je joue pas du tout. Donc, je vais pas l'acheter pour l'instant. Je fais toujours 30 balles d'économiser. Enfin, il est à 40, c'est un jeu à 50, hein, c'est un pack complet. Enfin, ouais, un pack de jeux. Et du coup, je vais pas me le prendre pour l'instant. Surtout qu'après, il va bien diminuer de prix, je pense, au Black Friday ou des choses comme ça. Mais comme pour l'instant je joue plus aux Sims, je peux les dépenser plus tard, quoi. Je suis pas obligé de les dépenser dans l'immédiat. Bon, on va remettre les binocles qu'on ne voit pas. Ah, par contre je vois plus rien. J'ai les yeux propres mais pas les lunettes. J'avais retrouvé une chiffonnette dans le temps pour nettoyer mes carreaux, mais je sais plus où je l'ai remis. Ah, Silver qui se réveille pour venir manger. Ah bon, sur barre déjà. Donc alors pour la guerre des mouches, hein, j'ai été voir hier un peu sur internet, ils disent qu'elles ne supportent pas l'odeur du vinaigre, donc de nettoyer tout au vinaigre et tout ça, chose que je fais très régulièrement, surtout pour la cage des chichous. Donc là je viens de me mettre un petit pot avec un petit peu de vinaigre juste à côté de mon bureau pour voir si elles allaient me lâcher la grappe, parce que je n'en peux plus. Hier soir, toute la soirée, elles m'ont piqué. Je n'en peux plus de ces mouches, c'est un enfer, un enfer. Et apparemment c'est un gros problème, j'ai beaucoup de... à peu près partout, quoi. Donc ça m'énerve, en plus nous avec les animaux, la forêt tout près, et c'est comme je disais aux filles, les voisins là, les apparts qui laissent traîner leurs poubelles pendant 2 semaines éventrées sur le trottoir, parce qu'elles sont pas prenables par les éboueurs, vu qu'ils ont mis tout et n'importe quoi dedans, ça traîne là, quoi. Ils attendent que la commune vienne les ramasser. Donc, bien sûr, les mouches se font un plaisir. Hein. Ouais, le Silver est en train de faire pipi tout en haut de la cage, donc ça tombe dans la roue et ça fait tout, 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 tout par goutte là. Donc, j'ai lu ça et j'ai lu aussi de dissoudre du bicarbonate dans de l'eau et de vaporiser ça autour des fenêtres et des portes et tout ça. Donc il faut que j'aille voir après un petit vaporisateur, parce que je n'en ai pas des grands, mais je récupère des sprays
que j'utilise dans mes soins souvent. Donc je vais essayer de faire ça si j'y pense aujourd'hui, je ne sais pas, mais c'est la guerre des mouches, enfin la guerre contre les mouches. Je vous jure que c'est un enfer, c'est invivable. En plus elles piquent quoi, déjà qu'elles sont chiantes parce qu'elles viennent se poser sur vous, mais même à travers mon t-shirt et tout ça, elles se posent sur mon dos, ça me pique. Alors c'est dérangeant quoi. Voilà, amène ta fraise. Ah je vous jure, je suis une... Qu'est-ce que tu fais? Oh boubouf, chope les mouches. Pourquoi tu vas manger en haut? Ah, attendez, il y en a un qui a accroché. J'ai vu, j'arrive. Accroché, j'ai vu. Maman vient. Ah bah, t'as réussi à te décrocher du coup, hein. C'est bon? T'es décroché? Ouais. Non, je te fais pas sortir maintenant. Je veux sortir. Et en même temps, ça fait deux jours que je ne les ai pas vus le soir. En même temps, ils sont sortis hier quand DJ est passé. Hier ou avant-hier, non, c'est lundi qu'elle est passée. Ils sont bien sortis, hein. J'arrivais plus à les rattraper, les petits cons. Ah, il est dans la cage, attends. Bref, bah écoutez, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Hein. Comment ? Demain, je vous montrerai la résine, parce que je me rends pas compte à peu près ce que ça fait 2 litres et 2 litres, quoi. Parce que là, j'ai reçu des 500 ml, donc ça doit être des gros bidons, quand même. J'espère que j'arriverai à les transvider sans faire de catastrophe. La suivi, elle est énorme. Oh, j'ai les clés. voilà. Hier soir, je les ai fait sortir le soir, les chichous, hier, enfin l'après-midi, quoi. Ils sont sortis de 2h30 à presque 18h, 17h30. Je les ai fait rentrer à 17h30. Donc, ils sont sortis pendant 3 heures. Quand j'ai vu qu'ils commençaient à ne plus bouger, je les ai rentrés. Bon, en même temps, ils sont rentrés tout seuls. Hein. Je les ai appelés, secouer la boîte de graines de tournesol, là, et hop, tous dans la maison. Sauf Sweeney. Sweeney m'a fait courir après. Là, j'ai fait tourner mes draps. J'ai envoyé un message à Enzo en disant que quand ils se lèvent, qu'ils viennent me les pondre dehors, puisque je ne sais pas le faire, je ne sais pas lever les bras pour aller jusqu'au câble du lin pour le linge. Mais vu le temps, je pense que je vais les pondre à l'intérieur. Hein. Il ne prévoit pas de pluie pourtant, hein, mais c'est couvert, vraiment très couvert. Donc je ne vais pas prendre le risque, parce qu'après, je ne sais pas courir les dépendre si jamais il commence à pleuvoir. Donc je vais pas prendre le risque, je vais les pondre là à l'intérieur. Il y a le linge d'Enzo qui traîne. Il m'a fait tourner son linge avant-hier, puisque hein, on attend 22h vu qu'on a le compteur de nuit. Donc je le fais attendre 22h pour tourner, à part les draps, puisqu'on ne peut pas rester la nuit sans les draps. Mais le linge, ça peut attendre le lendemain, il suffit de s'y prendre à l'avance et pas d'attendre la dernière minute en disant « j'ai plus de linge ». Donc il a fait tourner, mais ils sont partis traîner toute la journée hier tous les deux. Donc il est rentré et il me l'a pendu à l'intérieur le soir, alors qu'hier il a fait 33 degrés. Genre, t'aurais pu la pendre le matin avant de partir et la dépendre le soir en rentrant, quoi. Non. Donc du coup, j'ai le trépied qui est là, avec son linge, alors que ça aurait pu sécher en une heure dehors. Faites des gosses. Je vous dis, faites des gosses. Bref. Bon, moi j'ai tourné ma petite vidéo que j'ai prévue, là. J'aimerais bien faire une deuxième, les deux fimo qui me restent à faire pour la semaine prochaine et commencer celle de lundi sur les cabochons parce que j'aimerais bien faire une fine couche d'abord de résine sole juste pour pas que les pièces tombent vraiment dans le fond du cabochon pour qu'il y ait quand même un effet un peu 3D relief. Donc j'aimerais bien faire ça, comme ça ce soir je peux faire de la résine. Que ça, il faut que j'aille faire en haut, mais si je fais juste la base du truc en attendant le facteur, je peux le faire à la cuisine, puisque là j'ai la grande fenêtre, donc je peux ouvrir la grande fenêtre. Elle sent pas, hein, celle que j'ai là d'Amazon, elle sent vraiment rien. Elle prend pas à la gorge, elle prend pas au nez, même que j'ai pas mis de masque. Hein, voilà, j'ai mis zéro protection. Par contre, je vous conseille quand même de mettre les gants, parce que moi je les ai pas mis, j'ai voulu faire la grande, mais.
Le problème, c'est que ça colle aux mains. Il faut les laver plusieurs fois avant que ça arrête de coller vraiment la résine. Donc là, je pense que je vais mettre des gants. Blasé de la ville. Ça va, mon propre? Alors, mon propre, tout va bien? Elle est belle, la vie, hein? Ouais. Ah, bah oui, carrément. Et en plus, j'y souffle, d'ailleurs. Tu me saoules, quoi, ta gueule. Franchement, ferme ta gueule, je t'ai rien demandé. Ok, allez, sur ce, nous, ben, on suit du jour. Alors, il est 9h. Si vous voulez des choses grises et poilues par-ci, c'est normal, les chichous sont pas. Ça s'entend. Ils font des conneries, comme d'hab. Donc hier, j'ai reçu en fait qu'une commande Temu, une petite en plus. C'est même pas la première que j'attendais. L'autre, elle est toujours coincée à la douane. Donc j'espère qu'ils ne m'ont pas perdu à la douane. Parce que voilà quoi, c'est la grosse, ça me ferait chier. Donc j'en ai reçu qu'une des deux. J'ai reçu ma résine, je vais vous montrer juste après. Livraison super rapide, rien à dire, j'ai hâte de la tester. J'ai fait un peu de résine hier soir, j'ai tourné la vidéo de lundi prochain, je crois pour vous. Attendez, je sais plus. Hein. Bah, de demain. Non, pas du tout. De lundi 24. J'ai commencé à filmer celle-là. Qu'est-ce que j'avais encore à vous dire? Là, je suis de nouveau dans une grosse période de doute. En même temps, j'étais pas bien hier. J'arrête avec mon bic, pardon. J'ai dormi presque toute la journée à 6h. J'ai dit à chérie, il faut que je me recouche. Je suis pas bien. Je me suis sentie hyper fiévreuse d'un coup. J'avais pas de fièvre, hein, mais je me suis sentie dans un état vraiment fiévreux d'un coup, là. Mais fulgurant, quoi. Et je me suis endormie jusqu'à 8h30 dans le canapé, quoi. Alors, pour que je dorme dans le canapé, il faut vraiment que je sois pas bien. J'avais déjà redormi un peu le matin. Et j'avais essayé de refaire une sieste, mais là, Riley m'avait pas laissé dormir. Il y a Luna qui écoute ce que je dis. Ouais, je suis nouveau dans une grosse période de bad mood, là, de doute. Quand je vois les vues des vidéos, je suis... Alors, je sais qu'en juillet et août, il y a toujours moins de vues à cause des vacances. Hein, mais là, j'ai du mal à avoir 100 vues par vidéo, quoi. C'est pitoyable, franchement c'est pitoyable. Franchement, je suis à deux doigts de tout laisser tomber là en ce moment. Je suis vraiment pas bien. Ouais, franchement je me pose beaucoup de questions. Alors je sais qu'il faut le temps aussi. Déjà il y a les vacances. Il faut le temps que le switch de la chaîne soit intégré. Là, j'ai prévu une vidéo avec le masque en dentelle. Là, il serait peut-être temps que je la fasse. Mais je vous jure, j'ai tellement pas l'envie. J'ai plus envie de rien en ce moment. Je suis nouveau. Ouais, vraiment pas bien. Donc, pour samedi qui vient pour vous, j'ai prévu le make-up avec le masque en dentelle. Ça me fera du bien de me faire un petit make-up hein, parce que j'avais des semaines où je me suis pas maquillée. En même temps, bon, vous voyez, j'ai commencé le vlog en brassière, ensuite on était en t-shirt et maintenant j'ai le gilet. Demain j'ai le bonnet, quoi, tellement il fait bon. Le temps il change, là on est à 14, hier on était à avant-hier on était à 30 et des, là on est à 14, quoi. Franchement, je sais pas, je vais voir si le make-up fait un peu plus de vues que les bricolages en ce moment. Peut-être que je réintégrerai une vidéo make-up par semaine. Ne fût-ce que une palette à make-up, je sais pas. Franchement, je vais voir, je me pose tellement de questions. Est-ce que c'est à cause des vacances? Est-ce que c'est parce que j'ai le switch de chaîne qui vous convient pas? Franchement, je sais pas. Mais faire à peine 100 vues, j'ai même pas 100 vues hein, sur les dernières vidéos. Là, je vais voir parce que ce soir c'est souillon donc de... Par contre j'ai gagné en abonnés, j'ai gagné plus de 30 abonnés là depuis le début de semaine donc je comprends pas trop.
Là, le nail art 50 vues, bon, c'est celui d'hier, donc ça va encore monter un peu. Narval 72 vues, enfin, vous voyez que c'est vraiment pitoyable, quoi. J'ai l'impression que d'être reparti au début de ma chaîne, là où j'avais 500 abonnés, quoi. Le dragon étoilé 100 vues, 155 pour l'axolote. Heureusement qu'il y a les hauts et les vlogs, qui, même les vlogs, hein, il y a un peu moins de vues, mais ça c'est normal avec les vacances. Heureusement qu'il y a les hauts là, hein, parce que il n'y a que ça qui fait des vues. Et je vais pas faire que des hauts là, hein, disons. Je vais pas soit dépenser une fortune pour faire 5 hauls sur le mois, 5 ou 6 hauls. Là c'était exceptionnel, il y avait 4 témus ce mois-ci, mais. Où je vais pas juste faire des hauls avec 3 produits, quoi. Ça, moi j'appelle pas ça un haul. Hein. J'appelle ça faire des vidéos pour faire des vues. Hein. Enfin bref, donc franchement je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez, ce que je dois faire, parce que là je suis vraiment perdu. Là, après c'est général, hein, c'est pas que pour YouTube, c'est. J'ai le moral dans les chaussettes là en ce moment, c'est. Je sais pas. Je suis de nouveau en train de m'isoler plus là. Là je vais filmer une vidéo, la vidéo de jeudi pour vous. Ouais d'ailleurs, alors attendez, je reprends le nom parce que j'ai peur de me tromper. Et de pas donner la bonne personne. C'est Johanna, je crois. Ouais, Johanna, donc ça va être ta peluche. Donc. Faudra bien que tu regardes parce qu'il faudra que tu m'envoies un mail avec ton adresse, comme ça je vais te l'envoyer. Puisque c'est ta peluche à toi. Moi j'ai aucun intérêt de garder un bigus comme ça. Donc voilà, ça sera ta peluche. Donc je te l'enverrai à la fin du mois. Hein. Mais voilà. Il faudra que tu regardes la vidéo, que tu m'envoies un mail avec tes coordonnées et ton mondial relais préféré, puisque hein, j'en vois pas mondial relais. Et comme ça, je te l'enverrai. Donc voilà, j'espère que ça te fera plaisir. J'espère que ça fera plaisir à ceux qui m'envoient leur peluche. J'en ai une autre après encore. Oh, oh tiens. Je crois que j'avais pas encore baillé dans le vlog. Et ouais, je suis vraiment pas trac en ce moment. En même temps, je vais me coucher à des 1h, 2h du matin. Je me lève à 6. J'ai du mal à dormir à la sieste. En même temps, en ce moment, je me tape des films d'horreur. Donc, ça aide pas non plus. Hein, et je carbure à la caféine. Bien que la caféine ne m'empêche plus de dormir. Hein, depuis peine burette. Hein, Donc voilà. Mona, elle a essayé de grimper sur son truc, elle est tombée. J'ai dû aller la récupérer 3 fois sur le meuble. Hein. Là, il y a Queenie qui écoute ce que je dis. Ça va, ma mère Queenie? Elle est juste là, ici. Ça va, maman, mère Queenie? Titi, où? Ah, tu veux être sur YouTube? Attends, je zoome alors qu'on voit bien ta petite trogne. T'es où? Et les cartons tout démantibulés partout ici. T'es où, ma Queenie? On te voit pas bien. Oh, ma Queenie? T'es où, ma petite mémère? Tu voulais être sur YouTube? T'aimes bien être sur YouTube, hein, toi? Ah oui, t'es une star. N'est pas Queenie qui veut. Mais elle bouge pas. Ah, attendez, genre des zooms. Non, dézoomé, parce que sinon on voit trop ma tronche. Faut que je prépare le cadeau de ma nièce aussi. Comme si je suis là samedi. Oh! Oh, encore! Un cadeau d'anniversaire. Puisque ben, c'est dimanche, son anniversaire. Lundi, c'est celui de mon beau-frère. Et mercredi, c'est celui de mon homme. Voilà. J'adore juillet. Et le 26, c'est celui de mon frère. J'adore juillet. On a 3 anniversaires. Et Luna a eu 2 ans hier. J'ai oublié de vous le dire. C'était son anniversaire. 2 ans, bébé Luna. 2 ans de pure connerie. ouais, elle a eu 2 ans, elle distinguait. Ça fait déjà 2 ans qu'on a les bijoux à la maison, du coup. Ah, t'es rentré mon coucou? Ça y est, t'en as marre? Elle fait pipi? Non, tu vas manger. Ah bah oui, tu vas dans la gamelle, forcément. Le coucou et la gamelle, une grosse histoire. Et
Kitty qui ronchonne. Hey, coucou toi. Ils sont en train de me regarder aussi du coup. Ah oui, je vais sûrement leur donner une blatte. Voilà, je suis... ouais, je vous jure, je suis... dans un piteux état là, moralement. Les filles vont encore m'engueuler en regardant le vlog en me disant « Mais pourquoi t'es pas venu nous dire ?» Parce que si je devais aller me plaindre à chaque fois que j'ai pas le moral, bah, je ferais que ça de ma vie. Bah, et après, il y a des jours où ça va, hein, mais... il y a des jours où ça va pas du tout. Et là, en ce moment, c'est des jours où ça va pas du tout. En plus, les mouches qui me... qui me pompent le chou. Je crois que je vais faire un piège comme on fait pour les guêpes, vous savez, avec une bouteille. Je vais essayer. Le vinaigre, ça fonctionne plus ou moins bien. Hier soir, j'ai été un peu moins emmerdée, mais bon, ça s'évapore très vite, donc c'est un peu chiant. Et j'ai l'autre qui est collé à mon cul. Hein. Donc, du coup, j'ai pas de place sur mon fauteuil. Faut que je remette de l'eau et des graines et du foin au chichou. Là, je l'ai laissé encore courir une demi-heure. Ils sont dehors depuis, depuis 8h. Donc, il est 9h10. C'est jusqu'à 9h30, comme ça, ils courent au moins pendant 1h30. Après, la durée n'a pas d'importance hein, du moment qu'ils sortent, en fait. Hein, il y en a qui disent que même si c'est pour les faire sortir une demi-heure, ça leur convient. Voilà, Goubou commence à rentrer, elle est dans la gamelle, donc c'est que c'est l'heure de manger avant le dodo. Donc là, je vais commencer à leur mettre des graines et tout ça, ça va les faire rentrer d'office. Au bout d'un moment, de toute façon, je vois, hein, ils sont moins actifs. Hein. Sauf Luna. Mais Luna, elle est hyperactive, donc elle est tout le temps en route. Hier, elle se coursait avec Queenie dans la cage, ça faisait un bordel. J'espère recevoir mes commandes Temu aussi. Du coup, j'ai décalé. Je vais déjà vous donner le planning. Tu vois. J'ai décalé d'une semaine au Temu pour être sûr d'avoir tout reçu. Parce que entre celui qui a mis du temps à décoller de la douane de là-bas et celui qui est à peu près bloqué à la douane, pour être sûr, je l'ai décalé d'une semaine. De toute façon, vous en avez eu trois à la suite, là, trois samedis de suite. On peut passer un samedi. Donc demain, c'est le test sur la résine époxy. Mardi, les routes de Kenna du jeu que je vous ai parlé. Mercredi, un attrape-rêve en résine. Jeudi, la peluche de Joanna. Vendredi, l'alphabet challenge, le E avec les emojis que j'ai fait pour mon neveu. Comme ça, je peux lui donner samedi. Samedi, le make-up avec le masque. En dentelle et dimanche le vlog. Et après on reprend un planning normal de 5 vidéos par semaine. C'est déjà pas mal, hein, 5. Je sais pas pourquoi je m'en rajoute 2 par semaine. Hein, mais là j'avais un peu d'avance sur les vidéos, hein, pas sur les montages. J'ai rattrapé mes montages. Bien que maintenant j'en ai de nouveau. Ah non, j'en ai qu'une à monter. Et comme ça demain je filmerai le make-up. Ça me fera du bien de me make-upper un peu. Hein. Ouais. Ouais, ouais. Bref. Et ouais, j'ai déjà commencé celle de lundi d'après. Là, pour l'instant, je vais essayer de mettre le lundi des vidéos sur la résine, vu que je suis en plein test de plusieurs choses. Donc là, on fera la session de cabochon que je suis en train de filmer, que je dois attendre que ça sèche. Donc ça, je démoulerai demain, parce que comme je les ai fait tard hier soir. Le 31, on fera de la résine sans moule, pour ceux qui ne veulent pas acheter de moule, mais qui veulent faire de la résine. On va essayer de trouver des petites astuces pour faire des choses sans moule. Il y en a 2-3 que j'ai déjà pêché à droite à gauche et d'autres que j'ai eu des idées. Le 7, la semaine du 7 au 13, donc du lundi au vendredi, vous aurez l'alphabet challenge une fois par jour. Parce que je vais essayer de prendre un peu d'avance sur l'alphabet, pour clôturer vite l'alphabet challenge. J'aimerais bien le faire avant Halloween, comme ça, ça m'enquiquine pas quoi. Et puis la semaine d'après, encore une semaine, avec la session, on fera des bracelets en résine. Ça sera des cabochons hein, principalement, mais j'ai acheté des magnifiques bracelets ciselés. Mmh, ils sont trop beaux. Donc voilà, puis il faudrait que je fasse un peu mes ventes vintage. Je vais peut-être faire ça en attendant de faire rentrer les chichous, tiens. Je sais pas. Franchement, j'ai envie de rien foutre. À part bricoler, j'ai envie de rien foutre. Il faut que je fasse le kitsune d'Enzo aussi. Comme ça, après je peux faire celui de Sam, puisque j'ai qu'un moule. Donc, faut attendre par 24-48 heures le temps que la résine elle sèche. Ils ont choisi leur couleur, ils m'ont expliqué à peu près ce qu'ils voulaient. Donc, voilà. Bon, Sam il a juste choisi couleur, il m'a dit au pot, tu fais ce que tu veux.
une potion. Voilà, voilà. Il faut que Chérie lui change la pâte thermique aussi de sa PS. Il a dit qu'il ferait ça samedi, mais samedi, jamais il aura le temps. On a tout le monde qui vient le soir. Il faut encore aller aux courses. Il faut qu'il achève la buanderie et le jardin, parce qu'il est toujours pas fini. Oh, il y a des bruits bizarres chez moi. Oh, je suis en plein film d'horreur. Hein. Chérie, il monte, il est à la télé, donc moi j'enlève mes écouteurs, parce que moi je regarde tout sur mon PC. Hein. Et puis 5 minutes après qu'il soit monté, la télé qui sera même toute seule. Hello? En plein film d'horreur. Vous voyez? C'était pas trop le moment qu'elle fasse ça. Hein. Bref, bref. Ah, je vais vous montrer la résine. Bon, il n'y a pas trop de bordel sur la table, on prend avec moi. Ouais, j'ai rangé un peu ma table encore. Je fais que ça de ma vie en fait. Hein. Puisque j'ai beau ranger, il y a toujours autant de bordel. Bref, donc je vous montre ça. Donc, j'ai reçu ça dans un big carton, hein, forcément. Et du coup, c'est deux bidons comme ça. Attendez, je vais essayer d'en sortir. Voilà. C'est très gros. Vraiment très gros. C'est 2 litres par 2 litres, hein, puisque c'est un truc de 4 kg. Donc, ouais, voilà. Il fait 1,89 litre. C'est un peu moins qu'en kilo. C'est 2,11 kg et 1,89 litre. Hop, vous voyez pas bien. Donc j'ai pris du ratio 1-1. Comme ça, j'ai pas trop à réfléchir, je peux mesurer. Et ouais, moi, le focus, c'est quand tu veux. Hein. Donc vous mettez une part de A et une part de B pour faire votre résine. Hier, attendez, je me retourne. Hier, j'ai mis un peu de temps à faire les cabochons. J'avais préparé trop de résine d'un coup, en fait. Et du coup, elle avait commencé à durcir. Donc je l'ai vite tapé dans des moules que j'avais en haut. Pour voir ce que ça va, je vais voir ce que ça va donner, mais je pense que ça va faire énormément de bulles puisqu'elle commençait vraiment déjà à durcir. J'avais du mal à la mettre dans le moule et tout. Donc j'irai voir ça demain. Là, je vais laisser sécher jusque demain. Et voilà. Bref, bon, sur ce, on peut switcher deux jours. Wesh, qu'est-ce que tu fais? Bah, je me prépare. Je vais aller filmer un make-up. Ouais. Donc. Attendez, je zoome un peu. Je vais faire le début de mon temps avec vous en vous expliquant la décision que j'ai prise concernant la chaîne, puisque je vous ai mis des sondages hier sur Insta. D'abord, j'attends mes deux commandes Temu qui arrivent aujourd'hui. Donc je filmerai le haul ce soir, parce que demain j'aurai pas le temps vu qu'on fait l'anniversaire de Chérie. Donc je les filmerai ce soir. On a fait le. Enfin, aujourd'hui, on va pouvoir démouler le kitsune de d'Enzo. Donc, je vous incruste maintenant. Je vais filmer un petit short de ponce réel. Je vous dis pas. Et puis, je vous l'incruste maintenant si jamais vous n'avez pas Insta. Donc, on a hâte de savoir ce que ça va donner. Et je pourrais faire celui de Sam. Voilà. Donc, pour la chaîne. Je vous jure que je me suis pris la tête hier. Je vous ai mis des sondages sur Insta. Donc, si vous ne me suivez pas, vous n'avez pas pu y répondre. Mais je vous montre juste les produits. Hein, parce que on n'est pas sur un tuto. Donc, il y en a beaucoup qui m'ont dit. Les principales causes, c'était soit j'aime pas les DIY. Puisque j'avais demandé pourquoi. Parce que le fait de ne pas faire de vue, c'est démoralisant, quoi, vous voyez. Surtout que là, je vous dis, j'ai du mal à atteindre 100 vues par vidéo. C'est très peu. Donc, il y en a beaucoup qui m'ont dit que bah, soit ils aimaient comme c'était là, ou que ça leur manquait comme c'était avant, en fait. Maintenant, comme je vous expliquais... Alors, attendez, je vais mettre une pince pour ma touffette, parce qu'elle m'emmerde. Comme je vous expliquais dans le live où j'ai pris la décision de passer en full DIY, c'est parce que les make-up, ça devenait compliqué pour moi de me maquiller tous les jours, de faire un make-up différent tous les jours et compagnie, puisque bah, il faut de l'imagination à chaque fois et compagnie. Pas que j'en ai pas, hein, mais c'est que bah, voilà, c'est...
Riley se met debout pour regarder ce que Ryan fait dehors. C'est que c'est énormément de préparation. Vous voyez, là, je fais mon temps. Je ne vous ai pas donné l'heure. Il est 7h20. Je suis levé depuis 6h moins le quart. Bon, j'ai fait d'autres choses, hein. Mais, voilà, c'est énormément de préparation, surtout par un temps pareil. On n'a pas... Enfin, là, ça, on a un temps pourri en ce moment. On n'a pas forcément envie de se maquiller. Il y a des jours où bah, on n'a pas envie. On n'a pas le temps de faire une vidéo rapide. Puisque bah, prendre le teint, faire son teint et tout ça, moi, ça me prend déjà beaucoup de temps parce que... Bah, je fais pas à l'arrache non plus, quoi. Vous voyez, quand je me maquille, je fais les choses correctement. Donc, ça me prenait beaucoup de temps et j'avais plus trop l'envie de le faire tout le temps. Maintenant, j'ai bien entendu votre doléance, comme quoi les make-up vous manquent. Alors, moi, ça me manque de me maquiller aussi, même si en ce moment, ça faisait des semaines et des semaines que je ne m'étais pas maquillée. Ça me fait du bien de faire mon teint, je vous avoue. Donc du coup, je vais inclure une vidéo make-up le mercredi. Voilà, ce sera le mercredi, une vidéo par semaine, make-up. Ça sera principalement, je pense, une palette à make-up, hein, sauf si je craque maintenant sur une nouveauté, chose assez rare ces derniers temps, puisque ben voilà, même la dernière palette, Martine, hein, j'aimais bien le thème, mais... c'est du déjà vu, quoi. J'ai envie de dire, on a déjà vu du néon, quoi. Voilà. Bref. Donc, j'ai pas sorti mon anti-cerne, moi. Je fais quoi? J'ai pas sorti mon anti-cerne. Oh, bah alors, ça, j'en ai bien besoin. Donc, je vais inclure une vidéo par semaine make-up, donc le mercredi, principalement une palette à make-up, je pense. Hein. On verra bien, de toute façon. Là, aujourd'hui, c'est pas une palette à make-up et c'est pas mercredi, mais... c'est la vidéo de samedi là que je vais filmer. Les nail art, ben, c'est suivant ce que je reçois de Madame Glam, puisque comme je suis en collab avec eux, je reçois des colis régulièrement. Là, j'avais même pas encore envoyé le lien qui m'avait déjà dit de choisir quatre vernis. Donc je fais les vidéos quand c'est avec Madame Glam. Mon anti-cerne a séché depuis le temps que je l'ai utilisé. Donc il y aura toujours les nail arts. En principe, c'est une fois par mois à peu près, j'ai envie de dire, grosso merdo. Les vlogs toujours le dimanche. En septembre, on réintégrera les lives, mais pas pendant l'été. Là, ça sert strictement à rien parce que les vues, c'est déjà de la misère. Donc ça sert à rien qu'on soit à 5 sur le live. Donc, il y aura... une vidéo par semaine de make-up. Ça fait 5 fois que je vous le dis, je crois que vous avez compris. Il y aura des vidéos tous les jours. Alors, je vais essayer de faire comme ça. Pour l'instant, j'ai chipoté un peu mon planning jusque fin septembre. Une vidéo par jour, mais en sachant que dans les vidéos, je compte les shorts. Voilà, parce que le mardi et le jeudi, je vais déjà d'office faire des shorts. Parce qu'il n'y a pas de vue sur les vidéos ces jours-là, c'est pitoyable. Les shorts ça monte encore après plusieurs jours, les vidéos un peu moins, surtout quand on en poste régulièrement. Donc le mardi et le jeudi ça sera des shorts d'office. Il y aura peut-être de temps en temps des jours où ça sera encore un short suivant ce que je filme, parce que par exemple les trucs de résine là je fais des tests, donc je peux les filmer avec vous en vidéo. Après, quand je fais juste pour un moule sur un thème, c'est un peu con de faire une vidéo complète. Donc là, ça sera des shorts, vous voyez, des styles comme ça. Les Alphabet Challenge, il y en a une grosse partie qui seront en short aussi. Sauf ceux que j'ai vraiment envie que vous voyez l'évolution. Riley ! Elle est infernale là déjà, depuis ce matin, elle fait des conneries. Donc voilà, bref, tout ça pour vous dire qu'il y aura plus de shorts et une vidéo make-up par semaine à partir, bah, pas de la semaine qui vient pour vous, puisque là, moi, elle est déjà faite. Enfin, si, samedi, vous aurez le make-up que j'ai filmé aujourd'hui. Mais après, ça sera le mercredi, principalement une palette à make-up. Maintenant, elle va emmerder les chichous. Allez, stop! Stop, parce que là, tu m'énerves. Laisse Gougou tranquille.
Elle est infernale, je vous jure. Ça fait 2-3 jours infernale qu'elle est. Je crois qu'elle est déjà en pleine crise d'ado alors que c'est pas l'âge. Donc voilà. Bah dites-moi en commentaire si ça vous convient. Donc on restera quand même principalement sur du diarrhée. Oh, elle m'énerve. Je sais pas en placer une avec elle. Riley. Mais on gardera notre petit make-up une fois par semaine. Soit sur un thème, soit sur une palette. Je sais pas encore comment je vais jongler. Après j'aime bien faire une palette et un make-up parce que justement, comme c'est un tirage au sort, ça me permet de réutiliser des palettes que j'ai pas utilisées depuis longtemps. Là j'ai déjà fait le tirage au sort parce que comme du coup je les ai. J'ai plus mon étagère en haut vu que maintenant elle est là. Mes palettes sont entassées sur un meuble, il faut que je trouve pour les ranger. Donc pour pouvoir la préparer à l'avance, c'est la Niki Tutorials de Beauty Bee. Comme ça vous savez déjà, donc ça sera pour le mercredi 26. Puisque là je vous dis, la semaine prochaine est déjà faite. Donc pas la semaine qui arrive pour vous. Donc j'ai hâte de voir ce que vous allez en penser, d'avoir vos retours, parce que je vous jure que... Après en ce moment j'ai pas le moral, hein, je vous ai dit. Donc à chaque fois que j'ai pas le moral, ben, c'est remise en question sur tout, sur envie de rien et compagnie. Que limite, avant-hier et hier, là, j'étais à deux doigts de dire j'arrête tout parce que ça me saoule. De fournir autant d'efforts pour rien. Mais j'aime tellement ça que... Et voilà, là, je vous dis, j'ai l'impression d'être revenu à... j'utilise ma palette létale. J'ai l'impression d'être revenu quand j'avais 500 abonnés. Quoi. C'était la semaine dernière. Bon, ben, c'est pas vrai. Mais... Quel concours qui arrive aussi le mois prochain, les 5 ans. Allez, nouveau occupé avec son nouveau PQ. Oui, parce que maintenant je ne sais pas aller pisser sans qu'elle me suive pour avoir un rouleau de PQ vide pour le déchiqueter. C'est une nouvelle passion. Je vous jure, faites des gosses. Hein. Hier, chérie, il est rentré, il me dit tout de suite Busca, ça va pas? Oh, je dis non, elle me dit Busca, tout va. Puis j'ai commencé à pleurer. J'ai la dépression, comme on dit, hein. il y a des hauts et des bas. Mais en ce moment, c'est un big bas, vraiment très bas. Et j'aimerais bien que ça passe parce que. Autant je suis souvent pensive et. Ou stressée et énervée, que je m'énerve des fois, je sais même pas pourquoi. Hein. Mais être triste, j'aime pas. C'est vraiment une sensation que j'aime pas et j'ai envie que ça passe. Donc là, on va bien voir. Écoutez, je vais faire comme ça jusque fin septembre et puis on verra ce que ça donne d'ici là. Parce que bon, les vacances, ok, mais pas à ce point-là, les vacances. Hein. Aussi peu de vues, non, c'est pas des vacances. Après, je sais que l'algorithme YouTube m'aime pas beaucoup hein, depuis 11 ans. Je crois que je suis vraiment resté sur l'algorithme, l'ancien algorithme, en fait, que je crois qu'ils ont oublié de mettre... les nouveaux trucs sur ma chaîne à moi. Mais enfin voilà quoi. Je crois que vous avez compris le principe. Donc dites-moi si ça vous convient. Une vidéo par jour avec des shorts. Hein. Je compte les shorts dans les vidéos parce que même si c'est un peu moins de travail de filmage et de montage, ça reste quand même du travail. Donc dites-moi si ça vous convient et une vidéo make-up par semaine. Comme ça, je serai rassurée si ça vous plaît. Mais c'est comme je disais aux filles hier, parce que bon, forcément j'en ai parlé avec les filles. Je disais faire 5 make-up sur la semaine, c'était plus possible pour moi. J'avais plus l'envie, j'avais plus la motivation, mais ouais, ça me dérange pas. Au contraire, ça va me forcer un peu à me remaquiller, reprendre du temps un peu pour moi. Donc ouais, pourquoi pas. Donc voilà, j'attends vos retours avec impatience.
Voilà, bah écoutez, moi je vais vous laisser là. Il ne reste plus qu'à faire mes sourcils et mettre mon highlighter, mon fixateur, mon plumper. Oui, il y a toujours les vlogs le dimanche, ça j'ai oublié de vous dire. Et le samedi, je vais essayer de faire plus des vidéos parlées. Genre mes favoris, les produits terminés, mon rangement bricolage, puisque il faut que je vous filme aussi. Les hauls et tout ça, donc voilà. Le samedi et le dimanche, ça sera du full blabla, quoi. Vous voyez, le dimanche avec le vlog, vous avez du blabla à gogo. Hein. Ouais. Bref. Bon, bah écoutez, hein, j'aurais pu mettre de l'anticerne sur mes paupières, puisque je n'ai pas besoin de base. Moi, je vais donc vous laisser là pour cette semaine. J'espère que vous avez quand même passé un bon moment avec moi, même si je ne suis pas en super forme ces derniers temps. J'espère que votre moral à vous, il va, surtout. Hein. Donc voilà, bah écoutez, moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une très 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 bonne semaine. N'oubliez pas de mettre le pouce en l'air et de vous abonner si c'est bon encore fait. De laisser des commentaires en barre d'infos, en barre de commentaires, puisque voilà, ça m'aide pour l'algorithme. Hein. Toutes vos interactions sur mes vidéos, les pouces, les commentaires, tout ça, les partages, ça m'aide à monter un peu dans l'algorithme et à me faire un peu plus voir, donc ça serait bien. Parce que j'ai eu un boom d'abonnés, là, j'ai gagné 30 abonnés sur la semaine, mais les vues, c'est du caca, quoi. C'est les vues le problème. En train de démonter son carton. Hein. Bref. Donc sur ce, bah, moi j'ai plus qu'à vous dire bisous bisous.